Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons regarder les signes les plus courants d'un cœur malsain et que faire si vous les avez. Commençons la vidéo. Le visage couvert d'un cœur malsain est souvent un incident dramatique, les ambulanciers chargeant des défibrillateurs et criant clear. Une ruée vers un hôpital avec un masque à oxygène mis sur le visage, transporté dans la salle d'opération. En fait, les premiers signes d'un cœur malsain sont beaucoup moins dramatiques, mais apprendre à les repérer peut permettre aux patients de prendre des mesures précoces et d'empêcher l'une de ces scènes dramatiques d'hôpital de devenir une réalité. Le plus souvent, il y a peu ou pas de symptômes de maladie cardiaque. C'est pourquoi les programmes de dépistage sont si importants. Voici 11 signes courants à surveiller, dont certains ou tous peuvent indiquer un cœur en mauvaise santé. Peu importe à quel point il semble bénin ou sans conséquence, il pourrait être le signe avant-coureur de futurs problèmes cardiaques si vous ne les étouffez pas dans l'œuf, et simplement. Outre le rythme cardiaque, l'inspiration et l'expiration involontaire des poumons passent inaperçus pour la plupart des gens lorsqu'elles fonctionnent correctement. Quand ils cessent de fonctionner correctement, cependant, cela devient très visible. L'essoufflement et la sensation de ne pas pouvoir respirer efficacement. Les poumons peuvent sembler lourds ou le patient peut se sentir obligé de respirer rapidement et superficiellement. L'essoufflement peut résulter de l'anxiété, de l'anémie ou de réactions allergiques, mais la cause sous-jacente est généralement de nature pulmonaire, poumon ou cardiaque, cœur. Une embolie pulmonaire dangereuse peut d'abord se révéler par un essoufflement soudain. D'autres fois, l'essoufflement se développe progressivement. Cela peut être un signe de maladie aortique, d'arythmie ou d'insuffisance cardiaque. Qu'il soit soudain ou progressif, l'essoufflement n'est jamais un symptôme à prendre à la légère. Gêne thoracique. Aussi connu sous le nom d'angine de poitrine, l'inconfort thoracique est l'un des signes les plus évidents d'un cœur malsain, puisque le cœur est situé dans la poitrine. Si une personne ressent une pression, une douleur, un pincement ou une brûlure dans la poitrine, le cœur est probablement le coupable. Une douleur passagère, une douleur qui semble être à la surface ou une douleur qui s'aggrave au toucher sont toutes moins susceptibles d'indiquer une maladie cardiaque. Cette douleur ne change pas avec la pression externe et peut survenir soit au repos, soit lors d'un effort physique. Même si la douleur n'est pas intense, elle peut indiquer un trouble cardiaque grave et doit être suivie. N'oubliez pas que des centaines de milliers de crises cardiaques silencieuses se produisent chaque année aux États-Unis seulement. De nombreux symptômes peuvent être trompeusement légers. Douleur à l'épaule gauche. Fait intéressant, les nerfs du bras gauche et les nerfs du cœur peuvent envoyer des messages au même centre de douleur du cerveau. Par conséquent, le cerveau peut interpréter les troubles cardiaques comme une douleur dans le bras ou l'épaule gauche. C'est ce qu'on appelle une douleur référée, et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans la poitrine, qu'elle n'est pas liée au cœur ou que le problème spécifique se situe dans l'épaule. En fait, une douleur ou une pression dans l'épaule gauche est un signe classique d'un cœur malsain. Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez une douleur ou une pression soutenue dans le bras ou l'épaule gauche, surtout si cela s'accompagne d'autres signes de détresse cardiaque, comme un essoufflement. Rythme cardiaque irrégulier. Comme indiqué ci-dessus, un rythme cardiaque irrégulier est en fait une sorte de maladie cardiaque en soi, une arythmie. Toutes les arythmies ne sont pas dangereuses ou ne sont pas le signe d'une maladie cardiaque grave, mais de nombreuses arythmies sont potentiellement dangereuses. Par conséquent, tous les symptômes d'arythmie, même légers, doivent être pris au sérieux. Certaines formes d'arythmie peuvent être facilement perceptibles. Il existe de nombreux types d'arythmies dont il faut être conscient. En voici quelques-uns, mais certainement pas tous, à surveiller. Fibrillation auriculaire, si la régulation électrique du cœur échoue, le cœur peut battre beaucoup plus vite que la normale, jusqu'à 300 battements par minute. Les personnes atteintes de fibrillation auriculaire courent un risque élevé d'accident vasculaire cérébral. Ce risque élevé peut être considérablement réduit avec les médicaments appropriés, mais pas à moins que la fibrillation auriculaire n'ait été diagnostiquée. La plupart des cas de fibrillation auriculaire présentent peu ou pas de symptômes, le dépistage est donc essentiel. Faites également attention aux flûtes auriculaires. C'est une autre forme de rythme cardiaque rapide, moins intense mais toujours un facteur de risque majeur d'AVC. Contraction ventriculaire prématurée. Si votre cœur saute un battement fréquemment, cela peut indiquer une maladie cardiaque. Fibrillation ventriculaire. Lorsque les signaux électriques à l'intérieur de votre cœur deviennent brouillés, les cavités inférieures du cœur battent trop rapidement. Les ventricules de votre cœur se contractent de manière irrégulière et inefficace. Ceci est très dangereux et nécessite une assistance immédiate. Brûlure d'estomac, douleur à l'estomac ou au dos. Les gens, les femmes en particulier, doivent faire particulièrement attention aux brûlures d'estomac persistantes, aux maux d'estomac ou de dos.
De nombreux facteurs sont à l'origine de ces conditions, mais pour des raisons qui ne sont pas entièrement comprises, les femmes ont une propension beaucoup plus élevée à manifester des troubles cardiaques sous forme de brûlures d'estomac, de douleurs à l'estomac ou de dos, jusqu'à y compris signe avant-coureur d'une crise cardiaque. La condition peut s'aggraver et s'étendre pour impliquer la poitrine ou l'épaule gauche, des indicateurs plus classiques d'un cœur malsain. Les hommes et les femmes doivent être particulièrement prudents s'ils ont des problèmes d'estomac récurrents comme des nausées, un reflux acide, un ergot, une indigestion, des ballonnements ou des douleurs abdominales. Oui, il peut y avoir de nombreuses causes, mais la possibilité qu'il s'agisse d'un indicateur de troubles cardiaques spécifiques au sexe ne doit pas être écartée. Pieds enflés. Les pieds enflés peuvent être le signe d'une thrombose veineuse profonde, qui peut être un précurseur d'une embolie pulmonaire. Il peut également être un indicateur d'insuffisance cardiaque. En effet, lorsque le cœur commence à pomper de manière inefficace, la gravité commence à rassembler le sang plus près de vos membres inférieurs tout au long de la journée. Si vos chaussures, chaussettes ou pantalons commencent à vous serrer à la fin de la journée, la possibilité d'une insuffisance cardiaque doit être envisagée. Le signe suivant peut être un caillot sanguin entraînant une crise cardiaque ou un arrêt cardiaque. Manque d'endurance. C'est contre-intuitif, nous associons l'exercice à un cœur en bonne santé. Mais n'oubliez pas qu'un mode de vie sédentaire est un facteur de risque de maladie cardiaque, et non une corrélation univoque. Les maladies cardiaques peuvent survenir et surviennent chez les personnes ayant un mode de vie actif et des exercices vigoureux, en particulier si elles ont une maladie cardiaque sous-jacente. Un changement dans la tolérance de votre corps à l'exercice peut être un signe avant-coureur utile d'une insuffisance cardiaque imminente. Faites attention à la fatigue ou à la réduction de votre force et de votre endurance lorsque vous vous entraînez, ainsi qu'à d'autres signes tels que des étourdissements, une gêne thoracique, des nausées ou un essoufflement. Une transpiration excessive peut également être un signe de troubles cardiaques, en particulier une sueur inhabituellement froide. Problèmes de santé sexuelle. Les dysfonctions érectiles peuvent avoir de nombreuses causes et sont efficacement traitées par des médicaments. Cependant, les personnes, et en particulier les hommes présentant d'autres facteurs de risque tels que le diabète, un excès de poids, des antécédents familiaux et d'autres symptômes, devraient envisager la possibilité que des problèmes de performance puissent être un signe précoce de maladie coronarienne. L'un des premiers signes de maladie coronarienne est un dysfonctionnement endothélial différent du dysfonctionnement endothélial, ce qui signifie que les vaisseaux sanguins ne peuvent pas se dilater correctement. Il n'est pas rare que cet effet frappe d'abord la fonction érectile du pénis. Traitez certainement le symptôme, mais envisagez la possibilité que la maladie cardiaque soit le véritable coupable, et non une libido en berne. Se sentir étourdi ou étourdi. Les sensations de vertige et d'étourdissement indiquent généralement un manque d'oxygène circulant vers le cerveau, une circonstance qui pourrait entraîner un accident vasculaire cérébral. Si le cerveau ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, le coupable pourrait être un manque de circulation sanguine vers le cerveau ou une diminution de l'oxygénation du sang. Cela pourrait être le résultat d'une athérosclérose, de troubles valvulaires ou d'une insuffisance cardiaque. Les étourdissements en position debout sont un symptôme courant des maladies cardiaques et des problèmes de tension artérielle, car la gravité rapproche le sang du sol et le cœur de travailler plus fort pour le pomper vers la tête que vers les pieds. Si le cœur ne peut pas travailler aussi dur, les étourdissements et les étourdissements sont une indication précoce que quelque chose ne va pas. Coïncide pas avec le ronflement, et tous ceux qui ronflent ne souffrent pas d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil peut être une condition de sommeil préjudiciable, conduisant elle-même au prédiabète et à une éventuelle maladie cardiaque. De nombreuses conditions peuvent provoquer l'apnée du sommeil, notamment l'âge, l'obésité, le diabète et l'abus d'alcool ou de certains médicaments sur ordonnance. Cependant, il pourrait également être causé par une insuffisance cardiaque, ce qui pourrait entraver les fonctions cérébrales comme le réflexe respiratoire involontaire. Les personnes souffrant d'apnée du sommeil devraient faire vérifier régulièrement leur santé cardiaque. Fatigue constante. De nombreuses conditions peuvent causer de la fatigue, comme la grippe ou des infections bactériennes. Cependant, la fatigue est un signe classique d'insuffisance cardiaque car le corps est privé d'oxygène. Soyez particulièrement à l'affût de l'augmentation soudaine ou progressive de la difficulté des tâches quotidiennes qui étaient auparavant faciles. Merci d'avoir regardé. Pour plus de conseils santé, abonnez-vous à cette chaîne.